Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas. Regardez ce cappuccino, je sais pas si vous voyez, mais une mousse, mais t'as peur, waouh. Donc il est quelle heure? Il doit être 11h je pense. Il est 11h20, voilà, nous sommes le 10 décembre. J'ai dormi, oh ça fait du bien, je me suis endormie vers 1h30 je crois. Et je me suis réveillée vers 10h40 je crois, parce que Prince il arrêtait pas de faire des conneries. Et ça fait vraiment du bien de faire une bonne nuit de sommeil. Avec cette semaine de pleine lune, de lune descendante, montante, ascendante, je sais plus quoi là, je n'en pouvais plus. Bah, je n'ai pas monté la vidéo... celle que vous avez vue hier, je ne l'ai pas encore montée, faut que je la monte là juste après mon café. On va faire les magasins de Noël, j'ai trop hâte. Je disais aller en fait à plaisir, vous savez, mais c'est loin, c'est faut tout remonter. Je sais pas s'il y a des autres magasins dans le sud, Sevron, je crois, Sevron. J'aimerais bien aller aussi à Action. Donc bah écoutez, on va s'amuser aujourd'hui à faire le petit magasin. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de gens parce que bah nous sommes samedi, voilà, samedi. Tu sais, je pourrais y aller la semaine, mais non, on y va le week-end, il y a tellement de gens. Donc c'est parti, je bois mon café, on ouvre le calendrier de l'avant. J'essaie un minimum de ranger là devant l'appart parce que ça n'a toujours pas bougé depuis que je vous ai montré les articles. Vous pouvez voir à quel point c'est le bordel. Et let's go. Prince, pourquoi Roger, je sais plus comment il s'appelle, à bouger de place et que je vois un mini polystyrène sur mon meuble. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, oh non! Putain! Il a voulu manger. Oh là 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 là. Il a bouffé les ailes. Il est monté dans le sapin. Il a tout fait tomber. Non mais Prince, t'es sérieux là? Putain, non. Je vais le mettre là. En espérant qu'il ne va pas toucher. Putain, ma boule, quoi. Non, c'est trop. Regardez, il y a une... Je peux plus. Prince! Prince! J'en peux plus. Oui, je l'ai mis en haut. Non, c'est pas vrai. Il va pas le... Il va pas monter. Oh là là. Oh là là. Oh mon Dieu. Je crois qu'il l'a vu. Tu râles en plus. Par contre, j'aime pas ta croûte au niveau de la bouche là, c'est pas très joli. C'est pas ça, Principe. C'est pas ça. Ce que tu t'es fait, mais c'est pas beau. Hein. Je vois vraiment pas comment t'as fait ça. Regardez, c'est moche hein, sa croûte. Déjà, tu t'es battu avec. Je sais pas quoi, elle est en train de partir ta croûte, mais c'est moche. Oui, mon cœur. Yo-Yo, elle m'enverra ce soir ce qu'elle a pris sur Thierry et moi, je prends le complément. Ouais, bah oui. Comme ça, j'irai faire les courses, lundi. Tu vas prendre tes petits sapins, là. Ouais, bah ouais, mais là, j'aurai pas le temps. Enfin, je sais pas si je vais passer devant Picard. C'est des gros sapins? Non. Enfin, c'est des sapins. Enfin, c'est des accompagnements, tu vois. Il faut combien, 20 personnes? Alors, il y a 6 sapins pommes de terre. Donc, ça en fait 2 chacun. Ça fait, je sais pas, moi, des haricots verts à côté. Ça dure ça dans la photo. Oui. Bon, du coup, j'étais sur le montage là. Il est quand même quasiment 13h. Faut que je me grouille un petit peu de tout faire là. Mon père m'a appelé pendant 1 heure, je pense là. Donc, il va passer Noël ici. Donc, c'est trop cool. Il va venir à Paris avec ma belle-mère. Donc, on va pouvoir passer Noël chez moi. Ouais, ça va être trop bien. Je vais enfin passer Noël avec mon chat. Trop contente. Donc, ils vont rester un peu plus sur Paris. Donc, ça, c'est cool. Ils vont arriver vers le 23. On va faire les biscuits de Noël et tout. Je leur ai proposé des petites activités. Donc, il faudra que j'achète tout ce qu'il faut pour faire les biscuits et tout le bordel. Donc, le glaçage et tout. Et voilà, je suis hyper contente. Vraiment, ça fait du bien. Ça me soulage un petit peu. Donc, je me dépêche de faire ce montage parce que j'ai envie de bouger aujourd'hui. Là, je suis bloquée chez moi. Je chiale. S'il fait beau. Je vais manger aussi un petit peu parce que j'ai très très faim. Et après, on va vite se bouger. Et il faudra que je passe. Donc, bientôt à Picard pour acheter des petits trucs de Noël et faire de la plage dans le congèle parce que je n'ai absolument pas de place. J'ai dit à mon père que j'ai de la place, mais en fait pas du tout. Donc il faut que je mange tout ce qu'il y a dans le congèle. Putain, on fait que m'appeler, j'en peux plus. Allô? Ouais. J'en peux plus, tout le monde m'appelle. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, t'es occupé? Ouais, mais vas-y, dis-moi. Une étude de marché, ça consiste en quoi? Tu étudies ton marché, tu analyses tes concurrents, tes produits qui fonctionnent pas, tu vois si le marché est saturé ou pas.
Vas-y. Allez, bisous. S'il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle, j'arrête ce vlog. Bon, du coup, une heure plus tard, j'ai pas fait mon montage. Ah, je peux plus. Je les aime, hein, mes amis, hein, je les aime. Mais à chaque fois, ils appellent au moment où il faut pas appeler. Bon, du coup, j'essaie de finir mon putain de montage. J'aimerais enfin bouger. Bon, il est 14h12. Mon chacha est toujours aussi merde. Putain, on va faire les magasins. Au moment où il y aura tout le monde. Prince, c'est du suicide. Oh, il y a du soleil dans l'appart. Regardez comme c'est trop beau. Oh, j'aime trop. C'est incroyable. J'aime trop. Il est 14h12 et il faut manger. Et j'ai une idée de ce que je dois manger. Du coup, c'est mes œufs. Vous allez encore me juger, je le sais les amis, je le sais, c'est la merde. Ils sont périmés depuis 2 jours. Ça va. Non, les œufs, j'avoue, c'est chaud. Et je sais qu'il y a la technique et tout pour savoir s'ils sont périmés ou pas. Mais là, comme ça va être cuit, je sais pas, on va se faire des œufs au plat. Et au pire, je suis malade, hein, écoutez. De toute façon, avec tout ce que je bouffe périmé, je pense que mon corps est assez endurant, hein. Donc on va se manger 2 œufs et ce soir, on va se manger les 2 autres œufs. Faut que je vide aussi mon congèle. Parce que, attendez, bah oui, donc mon père et ma belle-mère, ils viennent. Du coup, moi, je pensais faire les repas de Noël et tout au mois de janvier, vu qu'il y aura ma soeur. Et la table de Noël, du coup, au mois de janvier. Sauf que bah non, visiblement, c'est dans 2 semaines. Donc il faut que j'achète de quoi faire une table. Genre un chemin de table, je sais pas, des petites décos, de la petite neige, je sais pas, genre un truc pour faire une belle table. Je sais pas où est-ce que je vais acheter ça, donc on va essayer de regarder aujourd'hui dans... On va essayer de regarder des shoppings de Noël. Go manger des œufs et après on y va parce que là c'est pas possible, il faut s'activer. Donc j'ai mis le petit liner que j'ai reçu de YesStyle. Il y a des paillettes, alors on voit pas la caméra, mais il y a des paillettes, c'est trop mignon. Ça va mon chat? Oui. Je t'aime mon chat. Regardez sa petite tête de chacha. Mon chat. Par contre il y a ta croûte qui est en train de s'enlever. Regarde-moi un petit peu. Mais comment tu t'es fait ça, c'est avec ta dent? J'ai l'impression que c'est avec ta dent que tu t'es fait ça, c'est pas possible. Non, attends, tu vas tomber là. Regarde-moi. Ouais, t'as eu un petit bobo, hein. Je sais pas ce que t'as fait comme connerie encore. Mon cœur. Mon amour. T'es trop beau. Elle est belle cette luminosité, waouh. Alors, la recette pour faire des œufs au plat périmés, du coup, c'est très très simple. Une petite casserole. Ensuite, vous prenez de l'huile de pépins de raisin. C'est une huile qui n'a pas de goût et qui est très très bonne pour la santé. Et ensuite, vous en mettez une petite louchette. Hop, vous faites comme ça, magnifique. Vous faites genre que vous savez faire les choses. Et vous prenez 2 œufs que vous mettez comme ça dans la poêle. Et après, vous rajoutez des petites épices. Donc voilà, c'était le tuto œuf pourri. Donc là, quand ça commence vraiment à être blanc, etc. Je fais vraiment un tuto œuf pourri. Moi, j'aime bien mettre du basilic. Like this. Petit basilic. Hop, ça donne un petit peu de goût. Je vais mettre un petit peu de paprika. Je suis pas sûre de moi là par contre. On va tester juste sur le blanc. Hop. Et surtout, nous prenons de la fleur de sel. Incroyable. Avec un petit peu de poivre. Et là, ça vous fait des œufs pourris extrêmement bons. Alors par contre, pour les calendriers de l'Avent, je suis vraiment trop contente. J'ai reçu ça donc de My Muesli. C'est pour mettre le muesli. C'est en vert. Il est trop beau, je suis trop 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 contente. Je pourrais mettre mon petit muesli à l'intérieur, c'est trop bien. Ensuite pour YesStyle, je suis archi contente d'aujourd'hui, j'adore les produits. C'est de la poudre enzymatique, ça c'est vraiment excellent pour la peau. Je vous conseille à tout le monde, même les peaux sensibles, enfin surtout pour les peaux sensibles. C'est en fait de la poudre que tu mélanges avec de l'eau et ça te gomme la peau en douceur et c'est excellent, je mets ça tout le temps, c'est vraiment bien, ça diminue les cicatrices et tout, franchement ça je suis trop contente. Ensuite j'ai reçu de Typologie un sérum à l'acide hyaluronique et au tripeptide, et en fait c'est pour les lèvres, c'est un sérum pour les lèvres, je n'ai jamais eu de sérum pour les lèvres, donc trop contente. J'ai eu aussi un petit savon de chez Rituals, un savon qui sont tellement bons pour les mains cette fois-ci. J'ai eu le My Muesli chocolat blanc du coup, et pour Mademoiselle Bio j'ai reçu une poudre, enfin un fard à paupières pailleté, donc j'ai essayé de l'ouvrir, il y en avait un petit peu partout, mais la couleur elle est vraiment trop 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 jolie. J'avais pas vu, mais il y a Prince là. Je chiale, c'est trop. Alors voici la tenue du jour, un petit pull où il y a marqué Santa Who, avec mon pantalon en simili cuir qui vient de chez Shein. Le pull doit venir de chez New Yorker, il faisait plein de pulls à l'époque. Rouge à lèvres rouge, je me suis préparée du coup et let's go faire le shopping. Bon Dieu,
du coup, pas mal cet angle, dis donc, que c'est joli. On va aller à Sevron, à Truffaut-Sevron, donc c'est quand même à 40 minutes de route. C'est extrêmement loin. Attendez, il y a trop de gens qui veulent s'insérer là. Ah, messieurs, dames, avancez! Vas-y! Putain, les gens sont de tension. Bon, parce que déjà, il y a un grand Truffaut, donc ça, c'est vraiment cool. Mais aussi parce que il y a un centre commercial à côté. Et moi, je veux pas faire juste Truffaut, je veux faire Maison du Monde, je veux voir les magasins à côté, voir si on peut acheter des petites décorations, voir même des cadeaux, ou encore bah, essayer de trouver des décorations pour la table, en fait. Parce que j'ai vraiment besoin de ça, j'ai pas de décorations pour la table. On va aller faire les magasins là-bas. Je connais pas du tout. Vraiment, je sais pas du tout comment ça se passe là-bas. Je suis jamais allée. Et il y a beaucoup de monde sur la route. Je sais pas pourquoi j'y vais un samedi après-midi, vraiment c'est un peu suicidaire, je trouve. Mais si voilà, je trouve rien là-bas, bah on ira à Créteil-Soleil, parce que Créteil-Soleil, dans la fin, c'était vraiment trop trop beau. J'avais un doute sur le fait que j'étais en contresens, mais en fait pas du tout, mais c'est vraiment un bordel pour venir, mais je sais pas où je suis. Je vois même pas le Truffaut, il est où? Putain, c'est un gros Truffaut là, c'est là. Ah oui, je vois l'entrée, faut que je me gare du coup. Oh là là, je suis en contresens, là je suis actuellement en contresens. Oh là là, oh là là, oh là là, Elisa, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces chariots les gars? C'est des chariots extrêmement moches, mais y a personne à Truffaut là. Est-ce que je me gare à la parisienne? Je suis bien garée? Non, je suis pas du tout bien garée. Oh là là, le soleil! Je ne vois rien! Putain, vraiment que je suis une parisienne. Ah merde, la musique! Les droits d'auteur! Je suis vraiment pas bien garée. Est-ce qu'on s'en fout? Ouais, en vrai, on s'en fout. Allez. En tout cas, c'était super beau sur la route. J'aime bien conduire, moi, de base. Et là il y avait quand même 40 minutes, je me dis vas-y ça va être long et tout. Et c'était vraiment trop trop beau sur la route, j'ai trop kiffé. Donc il y avait tous les arbres orange et tout, franchement c'était trop beau. Donc j'ai trop kiffé. Bon bref, go à Truffaut, ça fait longtemps tiens. Je dois acheter, je sais même plus ce que je dois acheter. Je vais regarder les décorations, je vais acheter de la litière, de l'herbe à chat aussi, c'est ça qu'il me faut, de l'herbe à chat surtout. Des poinsettia, et j'ai vu qu'il y avait un grand frais, qu'il y avait un Lidl et tout. C'est trop bien, il y a fête et sensations là-bas, donc on ira faire un petit tour. Faudra que je m'achète des fruits pour manger. Alors bon, il fait gris, il fait nuit, c'est pas terrible le temps, il fait super froid en plus. Donc je suis allée à Truffaut, franchement les décorations de Noël elles sont éclatées au sol. Mes collègues ils m'avaient tous prévenu en mode Elisa, cette année Noël c'est nul à chier. Ils se sont même pas amusés à les mettre en rayon et tout parce que vraiment les collections sont moches.
Et je confirme, les collections sont moches. Vraiment, il n'y avait rien qui me transcendait. Je voulais une petite bonbonnière, en fait, que j'avais vue depuis longtemps. Et en fait, il n'y en avait que deux et elles étaient cassées, donc j'ai pas pu les prendre. J'ai pris des petits cadeaux de Noël pour mon père et ma belle-mère. Je vais vous les montrer en rentrant. J'ai pris d'autres petites choses, de la litière, etc. Là, je vois qu'il y a le grand centre commercial Eden. Donc je pense aller là-bas, je pense que ça serait plutôt pas mal. Mais le truffaut, il est gigantesque. Franchement, si vous voulez un grand truffaut avec beaucoup de choix, n'hésitez pas à y aller. Parce que c'est vraiment très grand, je me suis un peu perdue, je vous avoue. L'espace Noël est plus grand dans le truffaut Ivry que le truffaut Sevran. Pourtant, en Sevran, ils ont de la place. Et je trouve pas qu'ils aient énormément de choix. Enfin, par rapport à ce que nous, on avait à truffaut Ivry, ça n'a strictement rien à voir. Donc pour Noël, je conseille plus Ivry que Sevran. Parce que vraiment à Sevran, il n'y avait pas grand chose. Après, au niveau des plantes et tout, franchement, il y a plein de choix à Sevran. Mais au niveau de décoration de Noël, c'est pas terrible. Voilà, donc au moins, je suis contente. J'ai trouvé un cadeau pour mon père. J'ai eu moins 30%, donc j'ai payé 70 euros. Tout ce que j'avais à prendre, donc je suis super contente. On va voir à Eden ce qu'il y a de beau comme magasin. Je suis perdue. Je sais pas du tout où est-ce que je suis. Je sais pas du tout comment il faut y aller. Je vois là, il y a une queue pas possible pour rentrer. Ça va être catastrophique le retour. Les gars, il y a un Action, genre juste en face. Mais laisse. Eh, hey, vas-y, mon gars, là, avant. T'as personne. Il y a un grand Action, putain. Mais je suis trop contente. Allez, let's go. Allez, madame. Allez, madame. Allez, madame. Ouais, 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 ouais. Je sais pas comment on fait pour y aller. Je vais me garer je ne sais où. Je savais pas qu'il y avait un Action. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est magnifique. Ça, j'adore. Je valide, j'adhère. Je n'en peux plus. Avancez, tout le monde avance. Voilà, parfait. Maintenant, oh, il y a une place juste là. Oh. Et comme j'ai une petite voiture, ça passe. Regardez-moi ce créneau. Regardez-moi ce créneau du premier coup. Oh là là. Oh là là. Bon, du coup, je reviens d'Action, on est pour 90 euros. J'ai craqué mon sac, il est plein. J'ai pris plein de choses. J'ai trop hâte de vous montrer. Oh, j'ai acheté des cadeaux de Noël pour ma soeur, mais laisse tomber, j'ai acheté des... Oh là 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 là. J'ai trouvé quelques trucs qu'il me fallait, mais il me manque toujours des étiquettes pour les cadeaux. Donc je pense que je vais les faire moi-même, les étiquettes, comme chaque année. Mais c'est chiant, j'aurais voulu avoir des étiquettes déjà toutes faites et basta. Bon, ça va en soi, il est que 17h20, mais il fait déjà nuit. C'est une catastrophe. Donc c'est parti, on va aller à Eden dans le centre commercial. Mais je suis trop contente qu'il y ait un Action ici. Il est bien fourni, bien rangé. Chose que j'avais pas trouvé avant, bah je les ai trouvées dans ce magasin. Je suis vraiment super contente. Allez, let's go, je sais pas du tout comment on fait pour y aller. Je sais pas si vous voyez, mais c'est genre énorme. D'ailleurs, je suis très très mal placée. Enfin, peut-être que j'essaye de trouver une place. Mais c'est énorme ici, je sais même pas où me garer parce que bah je connais pas. Ah, il y avait une place là. Est-ce que déjà je peux venir? Non, je suis en contresens, mais c'est pas grave. Maxizo, World Café. Oh my god, il y a du café, les gars. Attendez, j'essaie de me garer. Je sais pas où me garer. Je vais me garer là-bas. Il y a des places là-bas. Allez, mais je sais pas. Oh, mais c'est énorme ici. C'est incroyable. Sokomani, faites la sensation, on va aller là-bas. On va aller faire un petit tour. Putain, mais c'est énorme! Je connaissais pas! Pourquoi vous m'en avez pas parlé là? Ah, mais c'est vraiment trop mime ici. Regardez comme c'est beau. C'est trop mignon. Oh, j'ai envie de prendre un café. Oh, c'est trop beau. Et là, les gens ils font du sport. Il y a sûrement des BG là-dedans. Oh, il y en a un là-bas. Oh, il est mignon. Le Stokomani, il a l'air immense. Enfin, il est immense. En fait, c'est immense ici, c'est incroyable. C'est méga grand.
Je connaissais vraiment pas du tout. Bon, du coup, je suis allée à Stokomani, j'ai enfin trouvé des petites étiquettes pour les cadeaux de Noël. J'ai trouvé aussi d'autres petits trucs trop sympathiques. Et là, je vais à Jiffy et Fêtes et Sensations. C'est trop beau. Alors, je reviens de Jiffy. J'ai passé plus de temps à faire la queue que d'être dans le magasin. Il y avait une queue de ouf avec seulement deux caissiers. Les pauvres, c'était infernal. Du coup, j'ai trouvé ma bonbonnière, enfin, pour mettre mon café et un petit cadeau pour ma voisine. Donc là, je sais pas quel magasin il y a. J'ai un œuf à Maison du Monde parce que je sais qu'il y en a un. Mais alors où? Ah, mais il y a aussi de l'autre côté. Je vois de l'autre côté, il y a encore, mais... Je sais pas ce que c'est. Les gars, est-ce que vous reconnaissez cette enseigne? Attendez. Old Wild West, c'est là ma sauce burger périmée d'un an et demi, là. Putain, il y a Old Wild West, mais c'est trop bien. Il y a aussi un cinéma. Il y a des sushis, il y a l'Indiana, il y a le Otako, il y a un Steak and Shake. Genre, c'est génial ici. Je suis choquée. Putain, il y a le Old Wild West. Genre, je vous en ai parlé avant-hier quand même. C'est incroyable. Par contre, je me pèle le cul, mais de ouf. Il fait trop trop froid. Non mais je chiale, regardez, il y a des reines qui dansent. Attendez. C'est n'importe quoi. C'est vraiment trop beau. Il y a une bécane à l'intérieur. Incroyable. Là t'as les reines qui dansent et qui tournent. Oh, je chiale, c'est trop. Il y a une patinoire. Ah non mais c'est trop bien. Ah non je pleure, c'est trop là. Non, c'est n'importe quoi les gars. N'importe quoi, j'adore. Ce ciel. Il doit faire au moins -16. J'exagère même pas. Il fait trop froid. Parce qu'il arrive à neiger cette semaine. J'ai trop froid. Bon du coup c'est comme ça. Normalement il y a un carrefour juste à côté. Ah il y a un photomaton. Faudrait que je fasse des photos d'identité. Et là il y a le clos. Donc je vais aller voir ce que c'est. Mais franchement c'est trop beau ici. Genre les magasins ils sont beaux, tout est propre, tout est grand. En même temps quand t'es plus dans la campagne banlieue là, c'est sûr et certain que c'est toujours mieux. Mais il faut que j'emmène mon père ici. C'est énorme. Waouh. Il y a une des dégustations. Bah finalement ils ont fermé le magasin alors que ça ferme à 19h30, soit dans une heure. Et ça avait l'air bien en plus. Ça avait l'air grand, il y avait plein de conneries et tout. Bon, par contre j'ai froid. On va aller à Carrefour. C'est pas le même délire que chez moi. Hein. Genre là, tout est beau. Hein. Tout est bien. Je sais même pas si c'est Carrefour, ça. On reconnaît pas le logo. C'est pas Carrefour, ça. Ah non, c'est Marché Frais. Bon, je sais pas si vous allez très bien me voir. Je ne pense pas la qualité est médiocre. Je vais essayer de mettre la lumière, mais c'est pas ouf. Du coup, j'étais dans ce magasin d'alimentation. C'est Marché Frais. Je ne connaissais absolument pas. Et j'ai angoissé. Vraiment, c'est un magasin, j'ai trop angoissé parce que tout est parfait. Et c'est hyper perturbant parce que bah tous les paquets sont alignés, c'est les mêmes couleurs, c'est grand, c'est propre. Genre en fait c'est un magasin parfait, genre parfaitement bien entretenu, etc. Et c'est trop bizarre. Et j'ai angoissé pour ça. Du coup j'ai fait vite des petites courses vite fait. Et par contre c'est beaucoup moins cher, il y a des trucs qui sont au même prix que Carrefour etc. Mais il y en a c'est beaucoup moins cher, genre le fromage est vraiment pas cher. J'ai pris 2-3 trucs et je vais vous montrer ce que j'ai pris en rentrant au niveau de l'alimentation. Et j'ai remarqué que tous les vendeurs se parlaient en arabe entre eux. Tous parlaient arabe, les caissiers, tout le monde parlait arabe. Et à un moment donné c'était vraiment drôle parce que j'ai pris une brioche du coup. Dans le rayon, il y avait deux vendeurs qui essayaient de mettre en rayon, etc. Et donc, bah, ça faisait un trou au niveau du rayon. Ça faisait plus harmonieux et parfait, comme je vous avais dit. Donc, l'employée, là, elle dit en arabe, « Ah, putain, fais chier, il y a un trou !» Elle rigole, tu vois. Du coup, moi, j'ai compris ce qu'elle a dit, parce que pour ceux qui savent pas, je sais parler arabe. Et du coup, ouais, j'ai rigolé, je fais « Ah, désolé et tout, désolé d'avoir fait un petit trou. » Mais j'avoue, ça donne envie de voir les rayons bien rangés. Et du coup, elle a rigolé. C'était vraiment... C'était perturbant, il n'y avait personne à la caisse. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un Costco version alimentation. En fait, c'était un mélange de Costco, magasin chinois, magasin rebeu. C'était vraiment oppressant et trop parfait. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis allée, putain. On en angoisse parce que c'est trop parfait. Parce que mon papa est algérien, du coup, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ouais, ça m'a fait bizarre. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais
Il y a énormément de choses. Comment je vais faire pour tout ramener? Je pense que je vais laisser le litière là. Parce que c'est pas possible. Bah raconte-moi, t'as fait quoi d'autre? Non mon amour. Papa Noël, il t'a acheté des choses, hein? Bah oui mon cœur. T'as été sage cette année, hein? T'as été là pour maman, bah du coup, Papa Noël, il va te gâter, hein? C'est vrai? Mais mon cœur, t'as fait quoi d'autre? Dis-moi! Oh lolo! Attends, j'essaye d'allumer le sapin depuis tout à l'heure. Voilà. Bon là mon cœur, t'as fait quoi? Mais raconte à maman! T'as fait quoi d'autre, mon amour? Est-ce que t'as essayé de grimper dans le sapin? Hein? T'es trop... J'ai vu un arbre à chat pour toi, mon cœur. Si t'es sage, à ton prochain Noël, parce que ton anniversaire, on sera pas là, mais à ton prochain Noël, ou même si t'es vraiment très sage, bah t'auras un nouvel arbre à chat, puisqu'il était trop beau. Un arbre à chat en manguier, et si t'évites de manger mes décorations aussi, ça sera plutôt pas mal. Si j'ai du rouge à lèvres rouge, je suis désolée, mais je vais devoir te faire une attaque de bisous. Non, je déconne. Je t'aime. Bon, du coup, il est 20h. J'ai mis une heure pour rentrer, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens sur la route. C'était la mauvaise heure, mais bon, voilà, il fallait bien rentrer au bout d'un moment. Je suis vraiment très contente de cette c'est ma décoration. Je suis vraiment très contente de cette journée shopping. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous avez pu voir des petites choses. En tout cas, j'ai énormément de choses à vous montrer, mais je vais vous montrer tout ça demain. Tu m'énerves. Je t'aime. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense que ce sera un haul de 25 minutes minimum, je pense, de décoration. Enfin, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, il y a du Action. Il y a... Ouais, tout ça, c'est Action. Ouais, tout ça, là, c'est Action. Il y a énormément de choses. J'ai aussi là, donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à l'alimentation. Là, il y a du Action encore. Il y a du Stokomani, Jiffy. Voilà, il y a du Truffaut aussi. Donc, je vais vous montrer tout ça. Oui, mon cœur, je vais te donner de la pâtée. Voilà, on va tenir de la pâtée. Oui, mon amour. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Allez, viens, mon chat. Vite. La pâtée, vite. Allez, hop. Une bonne petite pâtée pour manger, chat. Trop sage aujourd'hui. Oui, mon amour, t'as été trop sage. T'as été trop gentil. Bon appétit. Je me suis acheté des cookies. Alors, il y en a 4. Je comprends pas la hauteur de cette boîte. Mais j'ai goûté un cookie sur la route. Ils sont excellents. Je n'ai jamais goûté des coups. Enfin, non, ceux de chez Costco, ils sont pas mal aussi. Mais ceux-là, ils sont vraiment bons. Ensuite, j'ai pris des beignets. Donc ça, c'est les beignets que je prends généralement à Carrefour, qui sont à 3,60€. Là, c'était à 2,89€. Vraiment, beaucoup moins cher. J'ai pris un donut. C'est un donut et deux pains au chocolat. J'ai pris de la salade. J'ai plus de voix. J'ai pris des bananes. J'ai pris tout ça d'avocat. J'ai deviné le prix. C'était 3€. Je... Ouais. Alors que les premiers prix de base, c'est, je crois, 2,50€, un truc comme ça. Les 3, là, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 9. C'est quand même énorme. Ensuite, j'ai pris du ping. C'était 35 centimes. J'en ai pris 2. J'ai pris ça. Donc, c'est quand j'ai pris ça que la meuf, elle a dit, ah putain, ça fait un trou. J'ai pris ça pour le matin aussi. J'ai aussi du pain de mie, comme ceci. Faudra que je fasse gaffe aux dates de péremption. J'ai pris des champignons. Et surtout, j'ai pris des tomates ananas. C'était 1€ le kilo. Donc voilà, franchement, c'était pas cher. Enfin, pas cher. Il y a des trucs qui sont vraiment pas chers. Les tomates ananas. Donc voilà, il est 20h08. Je vais aller me laver. Parce que j'ai mes règles, je n'en peux plus. J'ai envie de me poser dans mon canapé, de monter cette vidéo et de regarder des vlogmas toute la soirée dans mon canapé ou dans mon lit. Et de ranger comme un minimum... Non, je rangerai demain, je pense, parce que vraiment, je suis éclatée. Donc je vais vous laisser là. J'ai envie de prendre une petite soirée pour moi. Je pense que vous pouvez le comprendre, parce que là, toutes mes soirées, c'était vraiment compliqué. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Je m'attendais pas à avoir autant de... Ouais, de commentaires, et je pensais pas suivre aussi le rythme. Sans vous mentir, je pensais qu'au bout d'un moment, j'arrêterais parce que j'en pourrais plus, ou j'avais pas grand-chose à vous montrer. Puis même quand j'ai pas grand-chose à vous montrer, bah vous aimez bien, vous êtes là, vous commentez. Franchement, ça me motive de fou et ça me rassure d'avoir une communauté aussi bienveillante que vous.
Bah merci beaucoup en tout cas pour tous vos retours, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc là j'ai plus trop de voix, je suis désolée, je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que je prends juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas. Bye bye.